à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Maria Windevogel. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous connaît pas, c'est-à-dire que depuis 10h30, ce matin, on sait que vous serez tête de liste à la Chambre pour la liste PTB-PVDA, donc une liste bilingue pour la Chambre à Bruxelles. Alors, d'abord, qui êtes-vous, Maria Windevogel? Comment ça se fait que vous vous retrouvez comme ça, tête de liste? C'est un peu une histoire logique, je trouve. J'ai toute ma vie travaillé à l'aéroport. Mmh. Hein, j'ai travaillé dans le nettoyage. J'ai fait ça beaucoup des années. Alors, j'ai eu le faillite de la Sabena. Après, j'ai repris le travail, j'ai continué de faire ce boulot. Et en 2005, l'employeur m'a licencié. Et ça a été toute une lutte pour me re-engager. Mais ça n'a pas réussi. Et alors, après, j'ai travaillé dans le syndicat où j'ai continué à défendre le travailleur. J'avais un aspect femme qui était important dans ce boulot-là. Et j'ai aussi continué de travailler avec les gens de l'aéroport, quoi. Et alors, mais depuis lors, vous êtes prépensionnée maintenant, c'est ça? Je suis prépensionnée, c'est ça. Donc vous avez du temps pour vous occuper de la politique. Voilà. Et d'où cette raison de vous présenter sur la liste du PTB. C'est le seul parti qui était possible pour vous? Pour moi, oui, dans le sens que, premièrement, déjà dans toute la lutte que j'ai vécue, c'était pour moi le parti que je voyais le plus, qui soutenait le plus... le travailleur, qui soutenait plus les gens quand on était en lutte. Ça, c'est une. Et deuxièmement, particulièrement, on était assez fâchés sur le politique au moment de la faillite de la Sabena. On se sentait vraiment quittés par tout le monde. Par exemple, à ce moment-là, c'était Di Rupo qui avait signé cet accord avec Swissair. Et on était assez fâchés, quoi, sur beaucoup de politiciens de toute... catégorie. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, votre décision de vous intéresser au PTB. Vous avez même été sur les listes communales du PTB à Molenbeek. Ouais. Hein, vous n'avez pas été élu, mais enfin, vous étiez quand même déjà sur la liste. Et vous êtes une bruxelloise bilingue, hein, comme on l'entend, néerlandophone, mais qui parle très bien le français. Alors, est-ce que vous pensez que... j'ai vu beaucoup d'images de vous au moment de la Sabena et de la faillite et autres, et des combats. Vous étiez souvent avec un gueulophone, hein, en train de crier. Ouais. Est-ce que vous allez crier aux côtés de Raoul Edebo dans la chambre? Est-ce que c'est ça votre objectif, c'est d'avoir une deuxième voix et une voix plus féminine pour crier à la chambre? Effectivement, c'est avoir une voix à la Parlement et une voix féminine, c'est très important. Et surtout l'aspect de voix des travailleurs. Parce que je trouve quand même que ça manque. On n'a pas assez de gens dans le Parlement qui défendent le travailleur. Vous avez raison, parce que même Raoul Edebo, Marco Vanes, les deux élus PTB, ne sont pas des ouvriers comme vous. Ils n'ont pas eu une vie d'ouvrier bien remplie comme vous avez eu de nettoyeuse d'avion. Donc c'est vrai que vous êtes différente. Alors, samedi, le journal Le Soir a un peu fait le bilan des élus du PTB dans les différents parlements. Alors, à la Chambre, apparemment, le travail se fait assez correctement. Par contre, en région, c'est moins bien. Notamment en région bruxelloise, c'est moins actif. Est-ce que ça veut dire que la région n'intéresse pas le PTB? Vous, est-ce que vous ne dites pas, tiens, mais pourquoi je ne me suis pas présenté à la région plutôt qu'à la Chambre? Mais moi, je me présente pour le fédéral parce que je pense que je peux jouer un rôle au niveau de tous les thèmes qui sont fédérales. Quand je pense le problème de pension, quand des thèmes qui occupent beaucoup les gens, c'est quand même... C'est plus important, le fédéral, pour vous? C'est plus important, c'est tous les deux important. Et je pense que nos gens, dans le fédéral, ils essayent quand même aussi de faire leur boulot. Et moi, je veux que les politiciens ont plus de respect pour des travailleurs. Il y a plein de mesures qui sont passées. Moi, j'étais au... au Parlement, par exemple, le fait qu'on travaille plus longtemps, moi, je ne laissais pas passer ça comme ça. Tu vois, c'est quand même si maintenant... Si vous n'êtes pas dans une majorité, c'est difficile d'empêcher un texte de passer. Parce qu'il y avait déjà Raoul Edebo et Marco Vanes qui étaient là. Oui, mais on ne va pas faire ça seulement dans le Parlement. Hein. Moi, je connais très bien, quand j'étais syndicaliste au mon boulot, je pouvais me fâcher sur le patron directement. Mais si j'avais les gens derrière moi... Ça allait quand même, et ça c'est quand même pour nous important. On est dans le Parlement pour être le voix des gens,
Mais à l'autre côté, on va soutenir la lutte des gens qui luttent. Quoi. Dans la rue et sur les lieux des luttes. C'est le deux, c'est toujours le deux. Mmh. Et ça, je crois que je peux jouer un rôle important. Je vais être le porte-parole, mais je vais aussi soutenir la lutte des travailleurs. Alors, on va reparler dans un instant du programme, mais je voudrais quand même vous parler du climat aussi. Parce que le climat, c'est quand même un dossier qui est vraiment devenu le dossier de la campagne électorale. D'abord, est-ce que ça vous intéresse, le climat ? Oui, sûrement, et je suis très fière maintenant, cette jeunesse qui n'accepte pas tout ce qui se passe. En tout, il y a beaucoup de femmes aussi, beaucoup de jeunes femmes. Je trouve ça très bien. Mais pour moi, l'aspect de climat, ça doit être aussi un aspect social. Parce que ça, c'est quand même... c'est un craint. Si on ne va pas mettre l'aspect aussi social, ça veut dire qu'on ne prend pas des mesures qui vont avoir des conséquences pour les travailleurs. Par exemple, des taxes qui vont empauvrir encore plus les gens, ça, ce n'est pas le but. Pour moi, la discussion sur le climat, ça doit être des mesures qui sont sociales et qui ne sont pas... De nouveau, les simples travailleurs qui vont le payer. Ce n'est pas, nous qui sommes le... Pour vous, il faut préserver les bas revenus, si jamais il y a des taxes écologiques, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il faut préserver les entreprises aussi? Parce que les entreprises disent, si nous, on nous demande beaucoup plus, ça va être difficile, on va peut-être devoir licencier. Oui, mais les grandes entreprises, pour moi, ils font assez de bénéfices... je ne parle pas de petites PME. Mais des grandes entreprises, ils peuvent faire quand même quelque chose. Ouais. Hein. On a vu aussi pendant les manifestations des jeunes notamment, qu'il y avait pas mal de jeunes du PTB qui faisaient signer des pétitions par des mineurs. Est-ce qu'ils tentaient de les encarter finalement au PTB? Est-ce que c'est vraiment correct de profiter peut-être, de récupérer un mouvement comme ça au profit d'un parti politique? Vous qui venez du syndicalisme, est-ce que vous trouvez que c'est une manière normale de faire? Mais moi, je trouve que c'est normal qu'on discute avec les jeunes aussi et je sais qu'ils ont fait une pétition pour le transport en commun gratuit. C'est quand même quelque chose qui vit fort. Hein. Chez les travailleurs, mais aussi chez les jeunes. Moi, je trouve ça pas une forme de récupération. C'est une manière de mettre des choses en avant qui préoccupent tout le monde, aussi les jeunes. Alors, il y a un texte qui a été mis sur la table vendredi après-midi par des universitaires en disant, la loi climat, elle existe, on l'a écrite. Et tout de suite, les partis écologistes ont dit, on va signer cette loi. Et maintenant, tous les partis francophones, que ce soit PS, DFI, MR ou CDH, disent qu'ils vont le signer. Est-ce que le PTB va suivre aussi cela? Est-ce que vous en avez déjà parlé? Non, je n'ai pas encore parlé. Non, je ne sais pas. Donc, non. Et vous, une préférence, ce serait de dire qu'il faut qu'on soit tous sur la même ligne. Il doit avoir un plan, mais ça doit être un plan qui est social et que ce n'est pas les gens qui ont déjà difficile à survivre maintenant qui payent. Ça, c'est pour moi très important. Alors, vous parliez des transports publics gratuits. Donc là, vous n'êtes plus seul. Vous étiez un peu les seuls au PTB à dire qu'il fallait ça. Ouais. Maintenant, on sent que ça intéresse d'autres personnes. On parle d'études. Et en quoi, est-ce que vous pouvez me donner un bon argument pour que les transports publics soient gratuits? Parce que ça risque de profiter aussi à ceux qui peuvent se les payer. Ça va être surtout bien pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Parce que maintenant, ça coûte quand même assez beaucoup. Hein. Quand tu as un revenu de 1 000, 1 200 euros et ton transport public est cher, c'est quand même une partie de ton revenu, si c'est gratuit, que tu as moi à payer. Quoi. Ouais. Moi, je pense pour le couche des travailleurs qui n'ont pas facile... Pour eux, c'est une bonne chose et c'est une bonne chose que ça se développe plus et que les gens ont plus envie de facilement utiliser le transport public. Je crois que c'est pour tout le monde une bonne affaire. C'est ça. Même si ceux qui ont les moyens en profitent aussi, il vaut mieux que ce soit le cas pour que ceux qui n'ont pas de moyens en profitent. C'est ça. Ouais. Alors, plusieurs partis proposent aussi d'assouplir les règles d'ouverture des heures des magasins. La NVA, par exemple, soutient qu'il faudrait pouvoir ouvrir jusque 21h, qu'il faudrait supprimer le jour de fermeture. Alors, je vais vous demander votre réaction. Je vous en propose trois. Voilà, il y en a trois, vous allez choisir une des trois. La première, c'est une proposition scandaleuse,
Je ne comprends même pas pourquoi vous m'en parlez. Deuxièmement, c'est une idée merveilleuse. Je trouve ça fantastique, ces idées de la NVA. Ou enfin, peut-être, mais pas tout de suite. Je vais dire le premier. Oui. J'ai moi-même travaillé des années en équipe. J'ai toujours dû faire un week-end sur deux. J'avais deux gosses. Alors, c'était déjà très compliqué. Et je vois ça dans le lieu de travail que j'ai fait pour des femmes. C'est un très grand problème que les femmes doivent plus en plus être flexibles. Je pense que l'NVA ne pense pas à tous ces travailleurs qui travaillent dans ce secteur-là, qui vont être encore du plus flexibles, travailler plus tard le soir, travailler le week-end, plus jamais voir tes gosses. C'est une mesure très, très asociale, je trouve. Donc ça, c'est effectivement quand on prend le côté du travailleur et quand on prend le côté du consommateur. Là, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Parce que parfois, le consommateur, il est bien content, et c'est parfois la même personne, d'ailleurs, d'avoir un magasin ouvert jusqu'à 21h ou ouvert le dimanche. Ça, c'est peut-être pas toujours la femme qui y va, c'est aussi parfois l'homme qu'on... Oui, mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a assez de moyens d'aller au magasin. Et si ça se fait... C'est un cercle vicieux, quoi. Mmh. Alors, les gens doivent trouver des femmes pour garder les enfants, on va dû avoir plus de gens qui travaillent le week-end pour garder les enfants. Alors c'est un cercle qu'ils ne vont jamais arrêter et la vie familiale des gens, ça va devenir une catastrophe. Et déjà maintenant, c'est la mesure qui touche beaucoup de femmes, qui touche beaucoup de femmes et qui fait que beaucoup de femmes vont travailler moins. Et alors, au fin de leur carrière, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une pension de la misère. Parce que déjà, j'ai dit ça tantôt aussi, tu sais qu'il y a presque une femme sur deux qui n'a pas 1 000 euros de pension. Alors, tout souvent, ce système... à cause d'une carrière pas complète. Ah oui, et tout ce système vont... Et ça, je suis sûre que je vais être fort. Parce que mon expérience va être un surplus. Parce que je sais qu'est-ce que ça veut dire pour les gens. Et je sais aussi tout le mécanisme qu'ils font que ça va être plus difficile pour un parti des gens et sûrement pour les femmes. Et vous avez vécu cette difficulté? Parce que la prépension, ça n'a pas été facile. C'est pas facile, les prépensions, aujourd'hui. Non. Mais j'ai surtout eu difficile d'organiser ma vie quand j'avais deux gosses et que mon mari, il travaillait à la poste le matin et que moi, je travaillais en équipe et que je travaillais un week-end sur deux. C'était compliqué, hein? Et c'était un de travail comme syndicaliste, qui me prenait presque la moitié de mon temps, de m'occuper, de voir des solutions pour les gens qui n'arrivaient pas à organiser leur vie. Parce que c'était surtout les femmes qui venaient chez moi pour dire, oui, comment je vais faire? Demain, je dois aller au médecin et j'ai un horaire de soir. Donc, ça doit être une priorité pour vous. Pour moi, c'est une chose très importante. Et toute cette flexibilisation du travail, c'est un très grand problème pour le monde ouvrier, vraiment. Merci Maria Windevogel d'être venue vous présenter pour la première fois ici devant nous. On se retrouve demain avec un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.